GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV. Our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Yeye, c'est l'homme qu'on appelle PAWS y passé. Une spéciale à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent GLTV. Peace. Yo, salut, c'est Singila, en direct de GLTV1.com. Peace. François Durper, une spéciale dédicace pour tous les téléspectateurs de GLTV. Gardez les yeux ouverts. Bonsoir, ce soir, GLTV1.com. Tout badé le bobou, Ika de Yong. Nous sommes invités à une soirée où encore une fois, ce continent africain est mis à l'honneur. L'association de groupement de femmes africaines, Jefaya, excelle en sa matière. En ce moment, nous sommes à la 7e édition de ce qu'on appelle Dewan. Elles vont elles-mêmes expliquer en quoi consiste le Dewan. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont accepté de pouvoir raconter leur parcours, raconter un peu ce qu'ils ont pu réaliser. Et il y aura un petit défilé, il y aura une miss qui sera aussi présentée. Vous allez voir différentes personnes de différents pays en Afrique. Il y aura des Européens aussi. Donc, restez et suivez. Vous avez bien sûrement entendu parler des audits, des comptes. Ça, c'est mon métier. Mais essentiellement orienté sur les PME. Vous avez en Belgique environ 900 réviseurs. Pour faire une comparaison, il y a plus ou moins 1200 notaires. Comme ça, vous pouvez un peu situer ma profession. Il y a en Belgique et dans le monde entier quatre grands cabinets. Vous avez probablement déjà entendu Deloitte, BBC, qui ont plus des clients qui sont des multinationales. Moi, j'ai un cabinet. Les KPMG sont 3000 personnes, moi mon bureau on est 24, c'est vraiment tout petit. Mais orienté sur les PME, les petites structures, les indépendants, Clémentine, Clintine, sont des clients pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on a la souplesse de pouvoir répondre à leurs demandes plutôt que d'avoir une grande structure qui est plus difficile à avoir. Alors, je suis content des interventions qu'on a eues ce soir parce que justement, je vais parler du passage en société et de savoir comment on peut exploiter sa profession, que ce soit comme Clémentine en tant qu'indépendante ou comme Nadine qui a fait le pas de passer en société. Et justement, on peut faire le pont entre la situation de Clémentine aujourd'hui et la situation de Nadine également aujourd'hui. Alors, j'ai fait des slides parce que mon métier est un peu technique, et donc je suis un peu obligé d'essayer de que ce ne soit pas trop rébarbatif pour vous expliquer tout ça. Je vais parler un peu de la situation de Clémentine, hein, comment exercer sa profession à titre personnel, mais quels sont les avantages, comme Nadine l'a fait, d'exercer son métier en société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à créer sa société, comment ça se passe, pour in fine vous parler des avantages et des inconvénients. J'avais prévu aussi, mais ce sera trop long, de vous parler un peu des évaluations d'entreprise, parce que nous faisons ça aussi. Elle a des dettes, qu'elle tombe virtuellement en faillite, on risque d'aller voir saisir ses biens propres. Donc le fait d'exercer son métier en nom personnel est quelque part risqué, malgré que c'est plus simple. J'ai mis le régime matrimonial parce que si vous êtes marié, j'ai parfois des cas où, on va le voir, Clémentine passe de son statut d'indépendant en société, mais imaginons qu'elle exerce ce métier avec son mari, ben, il faudra qu'elle ait l'accord de son mari pour passer ensemble en société parce que sinon le conjoint pourrait être lésé dans l'opération. Et puis à un certain moment, Clémentine, la taxation va devenir élevée s'il y a plus qu'un client. J'espère que tu arriveras à avoir plus qu'un client. Mais à un certain moment, tes revenus, et tout le monde l'espère, vont arriver à un certain point où ça va quand même fiscalement coûter très cher. Et donc à ce moment-là, Clémentine, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, on va quand même lui conseiller de passer en société comme Nadine l'a fait. Quelle raison?
D'abord parce que la taxation est plus importante dans la société. Nadine, à un certain moment, elle risque de payer jusqu'à 55% d'impôts sur ses revenus. Pas aujourd'hui, mais à un certain moment, ça risque, je l'espère. Moi, je dis toujours, celui qui paye beaucoup d'impôts, c'est parce qu'il a beaucoup de revenus. Il ne faut pas oublier ça non plus, mais à un certain moment, ça coûte quand même cher. Et il faut songer à passer en société, parce que le taux de l'impôt des sociétés, il est entre 25 et 34%, comparé à les 55% à un certain moment. L'avantage aussi, c'est qu'une fois que vous serez en société, et Nadine va me le confirmer, il y a moyen d'optimaliser ses rémunérations. On peut faire des plans de pension, on peut mettre des frais dans sa société, mais qui ont plus des caractères privés. Donc il y a un certain avantage à fiscaliser toutes ces dépenses dans la société. J'ai également mis l'encadrement administratif parce qu'à un certain moment, quand on est indépendant, on devient un peu désorganisé parce qu'on a toujours la tête dans le guidon et puis les papiers, on verra bien après. Ben, une fois qu'on est en société, il faudra aller chez le comptable. Et le comptable, lui, il va vous demander de vous organiser un petit peu au niveau de ses papiers et plus simplement d'arriver avec une boîte à chaussures et tous ces documents dedans et puis donner au comptable, tiens, débrouille-toi pour mettre ça dans la comptabilité. Il faudra un encadrement et cet encadrement que le comptable va donner va vous aider à vous structurer parce que en tant qu'indépendant, à un certain moment, ben, vous n'avez plus le temps et cet encadrement administratif est important. Un avantage aussi en société, c'est que l'association est facilitée. Nadine, je pense qu'elle travaille toute seule aujourd'hui dans sa structure, mais si à un certain moment sa société se développe, ce serait intéressant peut-être qu'elle s'associe avec une deuxième personne, voire une troisième personne, parce que ça permet d'échanger d'idées. Quand on est tout seul, tout repose sur nos épaules. Quand on est à deux, ben, on peut avoir des idées différentes, des stratégies, on peut partager la stratégie d'une entreprise. Tout seul, c'est bien parce qu'on décide tout seul. À deux, ça peut créer des conflits, donc il peut y avoir des avantages et des inconvénients, mais l'association est facilitée lorsqu'on est en entreprise. Et puis, in fine, la cessation de vos activités. Donc, quand Nadine, maintenant, à un certain moment, dira « j'en ai assez, je peux vendre mon activité, je veux vendre mes actions », fiscalement, c'est plus intéressant que quand Clémentine va vouloir vendre son activité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce que je donne aujourd'hui et ce soir, je pourrais donner comme sujet pendant toute une journée en rentrant dans tous les détails. Mais... jamais que tu es Madame Passy Chibouaboua des Fashion Style, les ventes privées ici à Bruxelles. Bonsoir Passy. Bonsoir Ika. Dis-moi un peu Passy, après cette soirée organisée par Jay Faya, en quelques mots, comment tu as trouvé ? Ah ben, je suis très contente d'être venue ce soir pour la soirée de Jay Faya. Pourquoi ? Parce que c'est une très bonne initiative de pouvoir rassembler plusieurs entrepreneurs ici en Belgique et de les faire amener dans un endroit pareil et dans un beau cadre et de pouvoir aussi les rencontrer, faire connaissance avec plusieurs personnes. Donc pour moi, c'était une très bonne chose de venir. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré donc plusieurs personnes que je ne connaissais pas auparavant et ça me permet aussi au fait d'être un peu ouvert vis-à-vis des autres personnes et d'autres cultures aussi vis-à-vis des d'autres entrepreneurs, voilà. Voilà, Passy Chibouaboua, la prochaine Fashion Style, le rendez-vous ? Ben, le rendez-vous, il est fixé pour le 12 du 12, hein, le vendredi 12 décembre. Et ça sera au même endroit, donc à Excel, comme la dernière fois. Donc, on espère encore voir toutes les organisatrices de Jay Faya. Voilà, GLTV sera au rendez-vous, merci. Merci à vous. Voilà, j'ai à mes côtés un confrère du journal Nouvelle Afrique. Bonsoir. Bonsoir. On peut avoir votre nom, s'il vous plaît. Moi, je le connais, mais dites-le. Je m'appelle Jamil Cham, journaliste au magazine La Nouvelle Afrique. Dites-moi, monsieur Jamil Cham, après une soirée telle quelle, comment est-ce que vous pouvez dire en quelques mots l'Afrique est mise en l'honneur ? Tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les femmes africaines en Belgique ne croisent pas les bras. Elles sont dans tous les fronts, elles se battent au plan économique, au plan social et aussi au plan politique. Et aujourd'hui, ce qu'on vient d'assister avec le groupement des femmes africaines, là, on peut porter un grand espoir sur ces femmes-là. Et surtout, on peut croire qu'elles sont là pour travailler pour l'Afrique, mais aussi pour la diaspora africaine surtout. Voilà, dites-moi, après tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est que
comme je l'ai dit tantôt, les femmes mènent beaucoup d'initiatives pour essayer de monter des sociétés, des groupements, mais aussi pour donner une belle image de l'Afrique en Belgique. Parce que ce qu'on avait l'habitude d'entendre, c'est que les femmes africaines étaient là pour, excusez-moi du terme, pour pomper le système. Mais là, on constate que c'est tout à fait le contraire. Elles sont là pour essayer d'avancer, essayer de construire quelque chose. Et là, nous, en tant qu'hommes africains, on est fiers. Voilà. On est fiers de nos femmes. Merci beaucoup. C'est un beau message. On est fiers de nos femmes. Bonne soirée. À vous aussi. Bonne soirée. Et bonne continuation. Merci. Monsieur Loami Tsungu, bonsoir. Bonsoir, Ika De Jong. Après une telle soirée, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Non, c'est une très très belle initiative de l'ASBL Gayav, parce qu'on aide les femmes et les hommes de cette société, de l'immigration africaine, ou d'ailleurs, à entreprendre. Parce que tant que nous n'allons pas entreprendre en Occident, dans l'Europe ou en Belgique, notre immigration ne comptera pas. C'est ce qu'a voulu dire un ministre il y a quelques jours, n'ayons pas peur d'entreprendre, parce qu'il faut contrôler l'économie du pays pour compter. Et ici, on aide la société, on aide les femmes qui sont là à apprendre comment entreprendre et devenir des chefs et compter dans cette société. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée. J'ai toujours été passionnée par le monde de la mode. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai me lancé, j'ai quand même, je suis autodidacte, j'ai un certain potentiel dans la couture, etc. Et comme j'ai fait aussi des études en art, ben, pour moi, ça me semblait évident de me lancer dans ce milieu. Et donc, j'ai d'abord essayé de passer par différentes structures pour pouvoir avoir un apport personnel, mais on sait très bien que c'est très compliqué. En ces temps de crise, c'est pas évident. Et je suis passée par différentes structures, comme je vous l'ai dit, pour avoir de l'aide financière, ainsi que peut-être des conseils à gauche et à droite. Les conseils, je les ai bien sûr eus. L'aide morale, je l'ai bien sûr eu, mais étant donné que le concept était un peu, disons, pas assez commun, et par rapport au monde occidental, les Belges, enfin, du moins dans le milieu européen, faire des vêtements africains ou avec un mélange ne rapporterait peut-être pas assez. Et donc j'ai essayé d'avoir mon apport personnel. Et je me suis lancée avec mes propres moyens. Donc j'ai économisé. J'ai économisé pour faire le site, pour faire les réseaux. J'ai acheté le matériel, les fournitures, les tissus, etc., etc. Et je me suis lancée comme ça. Et donc par la suite, j'ai pu avoir quelques boutiques pour pouvoir mettre des petites créations à gauche et à droite. Donc voilà. Mais là maintenant, je cherche à me développer. Et j'aimerais bien justement m'exporter à l'étranger, peut-être en Angleterre, en France, etc. Et je suis dans une phase où j'essaie de restructurer un petit peu mon concept et de le développer encore plus. Donc s'il y a des investisseurs dans la salle, n'hésitez pas. Non. Si quand même, s'il y a des investisseurs, n'hésitez pas. Voilà, sinon, comme on dit, on va pas à pas, c'est pas évident. Pour ceux ou celles qui veulent se lancer, ne croyez pas que en 3 mois ou 6 mois, vous avez une idée, ça fonctionne super bien, vous allez tout réussir dans la vie. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment travailler très très dur. Moi, il y a des soirs où je ne dors pas. À un moment donné, j'avais 2 boulots, mon boulot, et je dormais très tard, 3h, 4h, 5h du matin pour faire les tenues. J'ai des shootings environ tous les 2-3 mois. Des expositions, des trucs à gauche et à droite, donc il faut allier le travail professionnel, la famille, le boulot, enfin, c'est vraiment très compliqué, mais si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous y arriverez normalement. Mais donnez-vous le temps et les capacités, c'est juste ça. Voilà, maintenant je vais vous présenter quelques-unes de mes collections. Thank you.
Là. Il y a 2 ans, je suis partie au Congo. J'ai rapporté quelques œuvres que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup et que j'ai exposées chez moi à la maison. Et la réaction de mes amis, de mes hôtes, quand ils venaient chez moi, c'était toujours waouh. On pouvait rester des heures entières à regarder et toute personne trouvait à chaque fois une histoire différente. Trouver que dans le tableau, il y avait ceci, le peintre a voulu dire cela, et ça a duré des heures et des heures et des heures. Et pour finir, c'était l'attraction en fait. Une fois qu'on a un invité chez nous, on l'appelait, on le mettait devant les tableaux, et la personne racontait des histoires que nous-mêmes qui avions l'œuvre à la maison, nous ne soupçonnions même pas. Et donc, de là est venue l'idée en disant que moi, qui aime quelque chose de si naturel, je crois que je ne suis pas la seule qui pourrait aimer quelque chose de cet ordre-là. Voilà le début de cette aventure de l'art et Julia. J'ai mis Julia Events parce que Julia,
C'est moi, mais c'est mon autre moi, parce que je suis multiple. Et j'aime faire tellement de choses que je sais que l'art est une des choses que j'aime, mais n'est pas la seule chose que j'aime. Donc, il serait possible dans l'avenir de me diversifier encore et encore, comme la femme elle est multiple en fait. Voilà, je suis juste une femme dans son entièreté, et non pas cataloguée et mise dans un coin juste bonne à faire ci et ça. Donc voilà pourquoi le nom Julia Events. Voilà, Julia Events est née réellement il y a trois ans, lors d'un voyage en Italie. Je suis partie en Italie accompagner une amie qui, elle, allait faire ses achats de chaussures. Et pour finir, moi j'ai dit, mais il y en avait tellement de chaussures de toutes les sortes, des grandes, des petites, à des prix tellement intéressants. Quand on voit les prix qu'on fait les chaussures ici, au lieu d'acheter 2-3 paires pour moi, je me suis retrouvée avec 71 paires. Parce que j'aimais tellement et je savais plus quoi faire. Alors je me suis dit, au lieu de garder les 71 paires chez moi et les mettre tous les jours, étant donné qu'il y a 300 et des jours par an, je me suis dit, je vais faire une chose partie. Et la chose partie, justement, c'était que c'était un moment de partage entre amis et chaque personne venait et choisissait une paire qui la correspondait, qu'elle trouvait que c'était bien et tout cela a pris réduit. Voilà le début de l'aventure de Julia Events. Et l'art et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais il y a peu que je le propose à d'autres. Je le propose à d'autres pourquoi? Et pourquoi l'art africain? Je n'ai rien contre des œuvres qui sont vendues dans les supermarchés, dans IKEA et autres. Mais je trouve juste dommage que nous, Africains, n'ayons même pas, des fois, une seule œuvre africaine chez nous. L'Italien mange des pâtes du 1er au 30. Et il est fier d'être italien. Mais nous, Africains, on est là. On préfère prendre une fleur, une rose, ou quelque chose que on ne sait même pas d'où ça vient, au lieu de mettre justement nos œuvres à nous en valeur et de les exposer, de les exprimer. En plus de cela, ça nous rappellera d'où nous venons, parce que on a une certaine attache par rapport à ce que nous avons vécu. Et moi, ce que je propose comme œuvre, je ne suis pas peintre, mais j'ai essayé, mais le résultat n'était pas le même. Alors je me suis dit, autant laisser les professionnels faire ce qu'ils faisaient si bien. Et donc, je mets juste en lumière des artistes, des artisans que j'ai eu à rencontrer au Congo pour l'instant, parce que c'est le premier endroit. Je suis congolaise d'origine, et c'était le premier pays dans lequel j'ai été, et c'est là qu'a débuté mon histoire avec l'art. Et donc voilà, on a pour objectif futur de s'élargir, d'aller dans d'autres pays africains, parce que pour l'instant c'est l'Afrique qui nous anime, qu'on aille en Afrique du Sud, qu'on aille en vraiment tous les autres pays africains possibles. Mais pour l'instant, nous faisons une sélection par rapport au tableau des peintres congolais. Et alors, nous les proposons à un prix abordable afin que tout le monde puisse avoir quelque chose d'original. Le but n'est pas de se faire de l'argent proprement dit, mais de changer un peu ce qui nous a toujours été dicté en disant que voilà, c'est l'œuvre qui est beau, voilà ce que toi tu dois mettre. Et pourquoi nous-mêmes ne pourrions pas dire voilà ce que moi j'aime? Voilà ce qu'on fait chez moi, voilà ce que nos artisans sont capables de faire. Et donc voilà, mon histoire est là. Vous allez trouver par-ci et par-là quelques œuvres de peintres, des peintures que j'ai aimées, que j'ai,
que j'ai eu un réel coup de cœur, en espérant que ça animera la même intensité auprès de vous. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à y partir avec. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Merci, je vais bien, merci beaucoup. Voilà, on vous a vu ce soir, vous avez quand même raconté quelque chose. Qui êtes-vous au départ? Alors, qui suis-je au départ? Une personne qui a grandi toute seule, je veux dire, professionnellement, et qui a quand même été soutenue par des personnes qui avaient confiance en moi, donc ça, c'est très, très important, et sur laquelle je me suis appuyée pour développer ma propre confiance et être ce que je suis aujourd'hui, à savoir, bien une formatrice, une coach professionnelle, une coach d'entreprise et une dirigeante d'entreprise également, puisque j'ai ma propre structure. Voilà, comment vous vous appelez? Je m'appelle Nadine Franville. Voilà, madame, dites-moi, ce soir, ici, à la soirée de One, qu'est-ce que vous avez pu raconter? Mon parcours, que l'on peut partir de peu de choses, de très très peu de choses, mais qu'avec la volonté et avec la confiance, avec le regard qu'on a sur l'avenir, la projection... la projection, comment on se projette dans l'avenir, que nous pouvons tous, même avec des grandes difficultés au départ, avec peu de moyens, peu de bases, on peut tous arriver quelque part et bien. Voilà, je vous ai entendu à un moment donné, vous avez parlé de noir et vous avez dit que derrière, on savait pas qui vous étiez. Et pourquoi cet exemple? Précédemment, quand la dame est passée, une personne est passée avant moi, elle disait que elle avait dû faire beaucoup d'efforts parce qu'elle était noire et que c'était difficile pour elle parfois de se positionner. Et ça m'a ramené à ma propre histoire, ou que ce soit en France, ou que ce soit en Belgique. C'est comme si je fais avec le fait que j'étais noire, sans que je vive cela comme une difficulté. Et donc, ne m'arrêtant pas sur cette difficulté, ça m'a permis quelque part de foncer, de persévérer et même d'oser, de ne pas m'arrêter à cela. Voilà. Merci beaucoup, on vous reprendra une autre fois sur GLTV pour une émission que sur votre histoire où vous allez pouvoir tout raconter. Merci. Bien, un grand merci aussi à vous, vraiment. Bonne soirée.
Qui a maquillé toutes les filles qui ont défilé ce soir, qui a maquillé aussi les membres de J-Fire. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé. C'était un petit peu le rush après une grande journée de boulot, de venir ici, etc. Mais tout le monde était très sympathique et j'avais mon coin vraiment pour maquiller. L'ambiance était vraiment bien, donc ça s'est très bien passé. Et où est-ce qu'on peut vous voir si on a besoin de vos services? Bah, écoutez, vous pouvez taper sur Facebook Jessica Ruby Mazea. Donc vous me trouverez ainsi sur Facebook. Sinon, je pense que vous pouvez demander sur le site. À mon avis, il y aura mes coordonnées qui seront laissées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone pour me contacter également plus facilement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien, au revoir. Écoutez, monsieur Didier Bertrand. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Après cette soirée, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Très diversifiée, très intéressante. Et je pense que ça peut donner beaucoup d'espoir. Principalement aux femmes africaines qui se retrouvent souvent seules, désarmées, abandonnées, souvent avec des enfants, et qui pendant plusieurs années ont été tenues à l'écart de la vie économique, de la vie sociale en Belgique. Et c'est l'occasion pour elles certainement de rebondir et de pouvoir voir l'avenir avec optimisme. Pas nécessairement en ayant une carrière de jeune talent, comme c'est un petit peu l'idée, mais de dire c'est possible en tant qu'Africaine de réussir quelque chose en Belgique avec un bon départ, un engouement certain, un intérêt certain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je m'étonnais un petit peu d'être le seul blanc, on va dire. Non, il y avait un autre monsieur. Monsieur De Wolf, bien sûr, il est le photographe également. Moi, je suis venu simplement en spectateur et je trouve que peut-être pour une des prochaines fois, amener un peu plus de personnes du pays, de chez nous, parce que la communauté, elle n'est pas uniquement noire, il y a aussi les blancs, il y a d'autres personnes. L'avantage du melting pot belge, c'est peut-être justement de pouvoir prévoir ce genre de possibilités pour la prochaine fois. Alors, on peut dire un petit mot sur les artistes, tant qu'on y est, parce que je trouve que c'était fortement intéressant de voir cette diversification, la mode, la création, le chant, impeccable. Merci beaucoup. Et impeccable. Merci aussi. Merci. Avec Jésus, tu feras des exploits, tu verras, il ne t'abandonnera.
chanteuse Laure Manda. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben là, vous avez excellé, vraiment, vous avez fait le top. Dites-moi votre inspiration. Tout ce qui se passe dans ma vie, en fait, voilà, ma foi en Dieu, premièrement, et tout ce qui est lié justement dans ma vie à la foi. Et c'est ça que je prends comme inspiration. Mais on a vu la dernière chanson que vous avez chantée, il y a eu énormément du monde qui vous ont suivi aussi, et ça parlait de quoi ? C'est justement mon premier single qui s'intitule « Jamais seul », où je dis justement à quelqu'un, un homme, une femme, que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, Dieu est là, on n'est pas seul et on a un Père sur qui on peut compter. Voilà, est-ce que vous pouvez faire plaisir à tous les gens qui vous suivent sur gltv1.com, juste pour nous, encore un morceau de cette chanson. Yes. Même si rien ne semble aller, tu ne seras jamais seul. Et même si tu ne crois plus en toi, car il est avec toi. Et même si tu te sens abandonné, tu ne seras jamais seul. Et même si le monde te tourne le dos, car Jésus est avec toi. Merci, merci beaucoup. Et continuez comme ça, on vous suit. Merci. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Merci. Écoutez, Monsieur Clay qui a tenu cette soirée avec beaucoup de dignité. Bonsoir, Monsieur Clay. Bonsoir. Dites-moi, encore une fois, une soirée où l'Afrique est mise à l'honneur. Un petit mot. Ah, quel plaisir de voir. Et cette fois-ci, ce sont des femmes. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs événements que j'ai été animé, présentés cette année, la majorité, l'écrasante majorité de ces événements ont été organisés par des femmes. C'est tout simplement encourageant. Dites-moi, après une telle soirée, qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager tous les gens qui rêvent un jour de venir à de telles organisations ? Bah, une organisation comme celle-ci, c'est une organisation qui met en avant l'entrepreneuriat dans le milieu, non seulement femmes, mais dans le milieu africain. Et donc, c'est important de voir que, de comprendre que dans ces pays, contrairement aux idées que beaucoup véhiculent, il faut croire que dans ces pays, il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui entreprennent. Et cela est encourageant parce que le fait d'être dans un milieu, d'avoir toujours des échos négatifs à l'Africain ceci, à la femme africaine cela, là c'est le contraire. Le contraire a été prouvé, plusieurs femmes ont témoigné de ce qu'elles font. Certes, elles ont rencontré des difficultés comme tout le monde qui démarre dans une activité, mais au moins elles tiennent debout, elles tiennent le coup et elles développent les activités. C'est tout simplement encourageant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Écoutez, deux grandes dames qui sont aussi membres de Jefaya, chez Bibiche Matundu et chez Bibiche Sao. C'est la soirée des Bibiche aujourd'hui. Bonsoir mesdames. Bonsoir Ika. Bonsoir. Bonsoir Ika. Dites-moi, après une telle soirée qui est réussie, on peut le dire haut et fort, il n'y avait même plus de place où s'asseoir. C'était vraiment l'excellence. Parce que vous avez amené les gens sur un certain niveau, sur un certain piédestal. Et je crois que les gens qui sortent après cette soirée peuvent se dire « ça valait la peine que cette soirée soit faite en ce jour ». Un petit mot ? Ben oui, comme tu le dis si bien, Ika Duyong, les gens sont d'abord très contents d'avoir participé parce que nous faisons du networking. Alors, les femmes, elles viennent toujours avec le souci de parler d'elles, de promouvoir, de pouvoir puncher les autres à aller de l'avant, à réaliser leurs projets. Alors, aujourd'hui, elles ont eu plein de témoignages. Il y a eu des grandes intervenantes et ça donnait un plus à toutes celles qui avaient des envies, des rêves avec plus de force et de dignité dans leur parcours. Donc je crois que ça a été vraiment une soirée réussite. Et puis elle est réussite parce que bon, Ika Duyong est là. Voilà, GLTV Toubadel, on est ici présent. On a dit ce qu'il n'y a pas ailleurs, tout se trouve chez nous. Bibiche Sao, après une telle soirée, vous êtes toutes belles en rose. Parce qu'on doit vraiment souligner qu'il y avait un thème aujourd'hui. C'était le rose. On parlait du cancer, du sein chez la femme. Un petit mot, Bibiche Sao. Ika, tu as vu, j'ai pas trop de commentaires à faire. La soirée s'est très bien passée. Tu as vu le public que Jefaya a amené pour cette soirée. Comme vient de le dire tout à l'heure Bibiche Matundu, c'était très bien. C'était pour le Congolais de la diaspora. C'était pour tous les Africains. Nous sommes là, Jefaya toujours en avant. Voilà, comme elle le dit, Jefaya, toujours en avant, merci. Voilà, j'ai à mes côtés, elle est jeune, elle est belle, elle s'appelle Divine. Bonsoir Divine. Bonsoir. Dis-moi un peu Divine, après une telle soirée, toi qui es jeune, est-ce que tu crois que la jeunesse a été touchée ?
Oui, je crois fortement que la jeunesse a été touchée. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon âge. J'étais à peu près la seule étudiante. Et j'espère vraiment que dans les prochaines éditions, GFIA aura aussi plusieurs, va toucher encore de la génération des étudiants, par exemple. Parce que dans des occasions comme ça, on peut rencontrer des personnes et créer notre propre réseau. En tant qu'étudiant, c'est très important pour notre avenir, quoi. Dis-moi un peu, si jamais on t'invite, toi, à venir raconter ton histoire, tu le feras? Oui, je le ferai parce que je crois que, comme l'a dit Nelson Mandela, quand on allume notre propre lumière, on permet à d'autres aussi d'allumer leur lumière. Voilà. Très bon message, merci. Merci. Deux grandes personnalités de GFIA, Sabrina Nkoussou et Madame Lydia Mouchebele. Ce soir, la soirée est réussie. En tout cas, bravo à vous. Un petit mot? Bien, effectivement, c'est une réussite parce que on a travaillé avec énormément de gens qui ont un grand potentiel, mais surtout qui ont une grande expérience à transmettre aux générations que nous sommes. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là parce que ça éveille l'esprit, ça donne envie de faire plein de choses, ça donne envie de se tourner vers autrui et de se dire, ben, de par mon expérience, comment est-ce que je peux aider, en fait. Voilà, on vous avait défilé aussi avec beaucoup de dignité. Dites-moi, est-ce que c'était un plaisir de porter ces vêtements pendant cette soirée? C'est un plaisir parce que il y a vraiment des gens qui ont des dons qui sont très peu visibles en fait. Et donc, quand on peut aider, ben on le fait avec le sourire. On met vraiment les mains dans le cambouis et voilà. On a besoin de gens pour défiler, ben on défile. Hein. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Super, vous l'avez très bien fait. Un petit mot, Madame Lydia Mouchebele a atterri aujourd'hui. On doit le préciser. Elle est venue juste pour la soirée, comme on dit chez nous. Pick up, she's a big lady. Can you say something? Ben, je crois que je suis contente parce que on a déménagé. Comme vous le savez, l'activité était exercée ailleurs. C'était la première fois qu'on l'a fait ici au 412. Et je pense que c'était chaleureux et le public a vraiment répondu positivement à cette invitation. Et comme je l'ai dit, je venais de Kinshasa où j'ai pu m'entretenir avec des femmes du milieu associatif, Madame Zolantima, qui dirige la campagne de Kinshasa Rose. Et on voit que là, les femmes sont actives sur le terrain. Elles ont un regard sur les femmes de la diaspora. Donc nous, on peut pas se permettre d'être négligentes et de reposer sur nos acquis. On doit continuer à travailler pour que la cause de la femme africaine aille encore plus loin. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On va bien souligner Albert Mavungu derrière cette association aussi. Aziz Makoukou là aussi. Et il y a beaucoup des grosses têtes vraiment qui militent pour cette cause qui est le cancer du sein. Merci. So I have a beautiful lady around me. How are you? I'm fine, thank you. How are you doing yourself? I'm okay, thank you. How do you find the party today? It was a great initiative. I mean, this is my first time that I'm visiting and it's really good. It's very empowering. I'm very proud of Miss Selena. Where are you from? I'm from Cameroon. Cameroon. Yeah. That's very nice. What can you say to all these Cameroonese women that are here in Belgium? I think they are doing already great. We can even do more. They can even do more if they assist each other, encourage each other, empower each other, so we can host more of this type of event. Okay, yeah. Thank you very much. We do it in French and English? Français, c'est très bien. Ok, on y va. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va bien, merci. Dites-moi, après une telle soirée, comment vous l'avez trouvée? La soirée était bien. Après une soirée comme ça, bah, on a envie de se lancer, de devenir indépendante, de mettre ses idées, ses envies en pratique. Donc c'est très bien, ça encourage. Qu'est-ce qui vous a marqué ce soir? Ce qui m'a marqué, c'est toutes les personnes, toutes ces femmes qui viennent de milieux différents, qui ont toutes, à un moment donné, eu un clic qui a fait qu'elles se sont lancées, elles n'ont pas eu peur et elles ont eu des femmes autour d'elles qui les ont aidées. On voit que les femmes entre elles peuvent s'encourager, s'entraider et se donner les moyens de réussir et d'avancer. Merci beaucoup, c'est un message très profond, merci. Voilà, comme vous voyez, on est encore là, il y a encore du beau monde. Il y a des beautés, il y a un bel homme aussi à mes côtés. Un homme ce soir, GFIA, comment vous l'avez trouvé la soirée? Une excellente soirée. Et je suis surtout venu pour soutenir les dames qui veulent entreprendre et évoluer. Et surtout porter en avant l'Afrique. Voilà,
Ça, c'est un très bon message. Et madame? Oui, moi aussi, j'ai passé une très belle soirée. La qualité des intervenantes et des intervenants, c'était vraiment super. Et surtout, la chanteuse à la fin, elle m'a vraiment donné des frissons et j'espère qu'elle va aller très loin. Voilà, c'était juste la cerise sur le gâteau. On va continuer. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Moi, comment vous avez trouvé cette soirée? C'est très intéressant en fait, il y avait vraiment une diversité de profils, donc c'est très enrichissant. Enfin, moi j'ai apprécié. Super, et vous madame? Moi je trouve toujours le réseau d'Oane et leur activité toujours très intéressante, parce que ce que j'aime c'est le mixage de la musique, la mise en avant et la visibilité, donner la visibilité à ces jeunes talents, les mannequins, les créateurs. Et toutes ces femmes qui viennent dire « Ok, j'ai eu des problèmes, mais je m'en sors. » Et ça, c'est génial, quoi. C'est toujours génial. Merci. Il faut suivre ce qu'elle dit. Merci. Je vais continuer. Il y a encore une grande dame ici. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, comment vous avez trouvé la soirée? En tout cas, c'est la première fois que je viens à cette soirée. Et je suis très contente et très enrichissant. Et je trouve que vraiment, ça nous permet de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule et qu'on peut, il y a pas mal de groupes de femmes qui sont là. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup du bien et je suis très contente. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière. Donc, la prochaine édition, on vous voit aussi. Je serai là. Merci. C'est sûr, merci. Bonsoir. Excusez-moi de vous interrompre. On vous a vu ce soir, vous avez parlé d'un sujet super important. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot? Oui, avec plaisir. Donc le but ici de l'intervention, c'était d'expliquer aux gens, mais de façon basique, sans rentrer dans les détails, parce que c'est quand même très technique, de pouvoir expliquer aux gens que quand ils entreprennent quelque chose, une activité, ils peuvent le faire de différentes façons, et dont la société est un bon moyen pour le faire de façon efficace et rentable si on a des bons projets. Voilà, ça c'était un peu le message. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens après qui viennent me demander, tiens, comment on va faire, comment on peut faire. C'était un peu le but de la soirée. Voilà. Dites-moi, toutes les personnes qui sont intéressées à venir vers vous, oui, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, vous allez sur le site cdp-partners.be et vous verrez ce qu'on fait. Nous sommes situés à Boisfort. On est 24 personnes, donc on est une petite structure vraiment adaptée aux indépendants, aux petites PME. Et voilà, n'hésitez pas. cdp-partners.be. Voilà. On y passera. Merci. Et j'ai une bonne demande, madame. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, comment vous avez trouvé la soirée? Super. Super sympa. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est la première fois que je viens. J'ai été invitée par Elena et toute l'équipe, la forte équipe. Alors moi, je représente ma mutualité neutre, Symbio, dont Monsieur Vincent qui est le réviseur. Donc, ils ont déjà travaillé avec la mutuelle. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais voir, parce qu'il y avait des sujets intéressants, effectivement, proposer la mutuelle aux gens qui en ont besoin, qui savent pas comment ça se passe. Et donc, et on travaille avec une autre entreprise pour qu'ils s'occupent des indépendants pour les lois sociales. Donc, c'est toujours dans le but d'aider et d'essayer de contribuer dans la société. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était madame Julia Mukonde. Elle est galeriste. Bonsoir. Bonsoir, Rika. Dites-moi, en quoi consiste ce mot-là, galeriste? Galeriste consiste juste à dire que je suis la personne qui met en lumière ou qui permet aux artistes peintres d'avoir une plus grande visibilité, au fait. Voilà, donc j'ai une galerie qui se trouve à Anderlecht et qui, là, je propose des visites privées. Et donc, voilà. Voilà en quoi consiste le mot galeriste. Voilà. Dites-moi un peu, Julien Mukonde, quand vous allez sur le terrain, que vous choisissez ces beaux tableaux, vous vous basez sur quoi? Avant tout, je me mets à la place de quelqu'un qui aime l'Afrique en général, à un intérieur urbain de tous les jours, en fait, de tout le monde, et qui n'a pas nécessairement une connotation africaine proprement dite. Je veux dire par là les anciens techniques, par exemple le palmier ou juste la femme africaine. Vraiment, c'est l'art abstrait. Et comme ça, chaque personne peut avoir un côté créatif aussi. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez une préférence sur les couleurs?
Pas nécessairement. Je trouve que l'œuvre en elle-même, tant qu'elle parle, peu importe la couleur. Le plus important est que ça soit un coup de cœur avant tout. Et je me dis, si c'est un coup de cœur pour moi, ça pourrait l'être pour d'autres. Et donc, je fais ma sélection en ce sens-là. Mais bientôt, on sait que vous allez exposer. Et c'est quand ? On n'a pas encore une date établie pour l'instant. Pour l'instant, nous profitons des événements comme maintenant de Jefaya qui nous permet d'avoir une plus grande visibilité, de se faire un nom parmi d'autres. Et comme ça, on pourrait au fur et à mesure avoir une plus grande galerie et vraiment exposer dans les normes proprement dites, au fait. Merci beaucoup. Et on viendra à ce rendez-vous là. Merci beaucoup, Ika. À très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir après cette belle soirée? En tout cas, bravo à Jefaya, bravo Miss Elena Matundu. En tout cas, les mots nous manquent parce que c'était vraiment. Les images pourront parler. C'était une réussite totale. Miss Elena, encore la 7e édition. Un petit mot sur ça. En tout cas, merci beaucoup Ika de Young d'être toujours présente avec GLTV1.com. Oui, ce soir c'était la 7e édition et effectivement la soirée a été une réussite totale. Un monde fou, tout le monde a répondu présent, tout le monde a suivi cette nouvelle formule, nouvel endroit, nouvelle équipe. Vraiment, je suis très contente. Évidemment, les intervenantes étaient aussi excellentes. Et pour la première fois, nous avons eu deux hommes, donc un intervenant et le présentateur. Vraiment, je ne peux qu'être heureuse de la soirée d'aujourd'hui parce que c'était merveilleux. Dites-moi un peu, quand vous choisissez des intervenants, vous vous basez sur quoi ? Ben, disons qu'on fait une recherche vraiment assez, une recherche vraiment pointue parce qu'on veut vraiment des profils différents et surtout on veut pas se limiter aux Congolaises, on veut aussi, comme vous avez vu ce soir, je pense qu'il y avait un peu de tout aussi. Hein. Et voilà, nous cherchons des femmes qui ont eu un parcours étonnant, un parcours donc études, et puis elles se sont mises donc à faire une entreprise. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout que quand elles sont là où on les attend pas, ça c'est excellent. Donc comme cette dame qui a fait cette école de devoirs, si je peux l'appeler comme ça, où elle vient en aide aux enfants qui ont des difficultés scolaires, vous avez vu ce bout de femme, franchement. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Elle a une telle force en elle. Et c'est ça que les Congolaises et les Africaines ont en elles. Moi, je suis pour que cette force sorte et qu'elles en profitent, qu'elles fassent profiter les autres. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On aimerait bien souligner un sujet, le docteur Denis Mukwege. Oui. Denis Mukwege, Jefaya, il y a quand même une union entre ces deux grandes personnalités. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? En tout cas, c'est une histoire qui dure depuis presque 3 ans. Donc, à partir du moment où Jefaya a décidé de soutenir le docteur, donc le docteur nous a fait confiance, il nous fait confiance et il a cru en nous. Et c'est pourquoi on a pu porter ce projet très loin, le projet donc de le faire connaître, de faire le buzz autour de lui, de faire la sensibilisation, mobilisation et surtout d'informer les gens sur son existence, sur ce qu'il fait à l'est du Congo. Et voilà, donc le meilleur moyen c'est effectivement de contacter tous les grands décideurs. Et voilà, dernièrement donc, c'est le prix Sakharov du Parlement européen qui lui a été remis. Et pour la petite histoire, il y a 2 ans, on a écrit aux parlementaires européens. Donc voilà, appuyé par Monsieur André Flao, donc qui lui aussi nous a poussé donc à contacter ces personnes et à leur de remettre le mémo pour qu'ils puissent faire quelque chose pour le docteur Mukwege. En tout cas, bravo à vous. Vous faites partie aussi de nos fiertés parce que ce n'est pas évident. Les femmes laissent leur maison, les femmes laissent leur foyer pour venir à de tels événements. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On peut dire ça aussi haut et fort. Bravo. Oui, Ika de Young, je pense que vous êtes la première à le savoir, parce que vous-même, vous êtes pour nous une femme active et intégrée, que franchement, vous êtes une Jefayenne, comme on dit chez nous. Voilà, et je tiens à vous remercier parce que vous êtes toujours présente. Et voilà, donc merci à tout le monde, et n'hésitez pas à venir, the next, the one, it's us. Yes, the one is us. Miss Elena, je rentre encore sur une question parce que les gens qui sont sur GLTV1.com veulent un peu comprendre le mot the one. Ça veut dire quoi? Voilà, donc the one. The one signifie the woman of the Afropolitan Network. Pourquoi? Parce qu'effectivement, toutes ces femmes font partie du réseau africain cosmopolite. Donc,
c'est tout simplement ça. Donc, on a essayé de rassembler les femmes qui font partie de ce réseau afropolitain, mot contracté qui n'est pas dans le dictionnaire, ne cherchez pas. Donc, voilà. Et je trouve qu'il faut l'utiliser de plus en plus parce que nous sommes tous ici des afropolitains. Voilà. Et nous, on a effectivement mis en avant les femmes de ce réseau. Tout simplement. On va répéter le dernier mot que vous avez dit, the one. The one, the only, the one. It has. Thank you very much. C'était Miss Elena Matundu, merci. Voilà mes amis de GLTV1.com. Comme vous voyez, la soirée est bien terminée. Chifaya a réussi son pari. Il y a eu vraiment la réussite totale. Il y a eu du beau monde, il y a eu la qualité, il y a eu vraiment le top. On attend la 8e édition où GLTV1.com sera encore une fois au rendez-vous. On n'oublie pas de remercier toutes ces grandes dames qui militent pour une bonne cause, ainsi que Tina et Poupa qui ont dit aussi un grand bonjour, Zico Star de Luxembourg, toujours connecté, ainsi que Wabasson de Dias Congo qui était aussi présent à cette soirée, Eric Bisselo, big up à lui, le cœur de Mamie Bimacha, et Aimé Bolumbu de la nourrice africaine, salam à elle. Donc rendez-vous ce soir là-bas, on continue la fête là-bas. Toujours GLTV1.com, comme on dit, l'excellence en personne. Touba Boboudelo, le perfectionniste à l'image. On revient encore vous souligner que le 5 et le 6 décembre, on rentre dans le continent américain avec Soul Vision Prod de Solange Mwakana Kabamba. Et un joyeux anniversaire à Christelle Pandandila de Roots Event. GLTV1.com vient casser la baraque dans le pays de lui-même, Mac Teddy Malambu. Je n'oublie pas le self-made, le millionnaire, Babi Mutumutune. Il parle en espèces. Il s'appelle Apocalypse Bella. Pick up, bro. We are coming. Just open the door. Let's do it. On sera là, GLTV1.com. Comme on n'arrête pas de vous répéter, ce qu'il n'y a pas ailleurs, tout se trouve chez nous. On n'a pas des piles, tout babo boudelou, mais on fonctionne.